Bonjour. Alors c'est une émission solidaire d'abord qui existe depuis maintenant bientôt 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on est des vieux de la vieille. Enfin pas tous parce que Alain, toi, tu n'es pas dans cette émission depuis 18 ans. Mais en fait, c'est pas par hasard que tu fais partie de cette émission puisque je trouve que tu es dans le même état d'esprit que l'on avait au départ. Mais il y a 18 ans, je n'étais pas né. Moi. Et donc cette émission, au départ, elle s'est construite sur une réaction par rapport au traité constitutionnel européen. Sur le fait qu'on trouvait que c'était quelque chose de beaucoup trop libéral et on était mandaté par un groupe hein, qui s'appelait Agis07 pour expliquer en quoi le libéralisme n'allait pas dans le bon sens de l'intérêt général. Voilà, dans le sens de l'intérêt général. Mais depuis, le monde a complètement changé. D'ailleurs, il me semble que tu nous as fait un petit truc sur la rentrée, Alain, qui est pas mal. Oui, c'est la rentrée. Tout le monde dit ça, c'est la rentrée, et puis moi je me dis c'est la rentrée, oui, mais rien n'a vraiment changé. Charles III a quitté Buckingham Palace, et en rentrant à Versailles, il a avoué très naturellement, c'est parfait, je me sens ici chez moi, Buckingham, Versailles, rien n'a changé. C'est la rentrée, c'est la fiesta de l'aristocratie. La cour se gave, le peuple paye, 2772 euros la bouteille de rouge à la kermesse des nantis. Le peuple a faim, on s'en fout. Le peuple a soif, éloignez, je vous prie, réflexion et justice. Le peuple crie, mais pourquoi parle-t-il aussi fort? Grenadiers, faites-les taire! C'est la rentrée, rien n'a changé. La folie de Macron vous fera tourner la tête, comme le pinard, avant d'avoir humé le rouge délicat des cochons de Versailles, cuvée 2023. C'est la rentrée, rien n'a changé. Les instits ne sont plus formés, les toubibles sont introuvables, les urgences sont fermées, les artisans ont déserté. C'est la rentrée, une période formidable. On roule à 90 à l'heure sur nos routes départementales pour garder le stress. Nos enfants vont porter l'uniforme à l'école pour être enfin, enfin éduqués. Prenez vos iPhones pour tout comprendre, faites le 2, faites le 3, faites le 4. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. La région vous forme, vous éduque. La région vous transporte au septième ciel. La région vous aide à avaler l'inavalable. C'est la rentrée. Ne faites pas cette tête-là. Soyez zen et reposez, putain de frustré. Comme le peuple est ingrat. Alors c'est vrai que, bon, là, on pourrait se dire, mais dis donc, c'est désastreux ce que tu dis, c'est que à charge par rapport à... voilà. Mais on va entendre une interview de notre troisième larron qui se trouve absent aujourd'hui, et donc elle a été interviewée, enregistrée, et elle va faire son intervention là tout de suite. Ça va être aussi, on va se dire, oh, mais dis donc, c'est pas du positif tout ça. Oui, mais on va voir que dans tout ça, il y a quand même du positif. Ne vous dites pas qu'on est en train de tout démolir. Et c'est Amalia. Ah, et c'est Amalia. Alors, Amalia nous dit... Bonjour Amalia. Alors, je suis obligé de t'interviewer avant cette émission du 25 parce que tu peux pas être présente ce jour-là. Et tu voulais parler de ton sentiment, de ton ressenti par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 6 mois en gros. Oui, toute l'année dernière. Bon, d'abord, bonjour Michel, bonjour à tous. Oui, moi, j'avais envie de parler un peu de mon ressenti. C'est pas du tout pour me mettre en avant, on en a rien à fiche en fait. Mais c'est parce que je pense que c'est des sentiments qui sont et des émotions qui sont partagées par beaucoup de militants et même non militants. Donc, pour resituer le contexte que tout le monde a encore en tête, parce que c'est tellement frais, donc l'année dernière, il y a eu toute la séquence sur la réforme des retraites, telle qu'on l'a vécue, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements de la part de beaucoup de monde, des millions de personnes, pour au final arriver à ce qu'on a, à ce déni de démocratie incroyable, auquel vraiment, personnellement, je pense pas être très naïve, mais... Je m'attendais pas à ce que le gouvernement aille jusque là, et ensuite le Conseil constitutionnel. Donc ça a été quand même un choc. Ça a été suivi de Sainte-Soline, donc des violences, le fait d'empêcher des violences policières, le fait d'empêcher les secours de venir pour soigner les gens, et ensuite cerise sur le gâteau, le fait que le gouvernement s'en prenne
la Ligue des droits de l'homme, oui. Hein, en les menaçant de supprimer les subventions, etc. Donc, ça nous... Vraiment, moi, j'ai terminé l'année fatiguée. J'ai éprouvé le besoin de partir marcher, de me couper un peu des médias et de toutes les conférences, etc. J'ai eu besoin vraiment de faire un break. Et si j'en parle encore une fois, c'est parce que je pense que beaucoup, beaucoup de gens étaient dans cet état-là. Et je pense qu'il faut prendre soin de ça. Je pense qu'il faut en prendre conscience, d'abord. Et je pense qu'il faut en prendre soin. Voilà. Alors moi, je te fais juste une petite réponse par rapport à ça. Effectivement, on a perdu. Alors, on est dans le constat d'échec. Mais pour une fois, je veux dire, en même temps, et c'est pas un mensonge dans ma bouche, parce que pour d'autres, c'est une pratique mensongère de dire en même temps. En même temps, on a été capable de voir qu'on était très très nombreux à refuser ce système. Et donc, moi, il me semble qu'il y a quand même de l'espoir dans ce côté négatif que tu mets en avant. Voilà. Alors, on a été très très nombreux à refuser. Et on constate que cette 5e République, quelque part, ne fonctionne plus. Mais en fait, Alain, tu voulais aussi nous rappeler leurs principes, leur façon de concevoir l'avenir, quelque part. Hein. Qu'est-ce que c'est l'économie, qu'est-ce que c'est la vie, etc., pour les gens qui sont néolibéraux, comme on dit. Disons que le libéralisme a ses objectifs, hein, et il répond tout simplement pleinement à ses objectifs. C'est la capture du régulateur par l'absence publique, hein, c'est-à-dire l'État, on s'en sert, mais par contre, il n'est pas là du tout pour aider, comme il palliait autrefois à des carences. Donc le service public, par exemple, c'est... Ben, le service public, on le voit, hein, on le voit quand même de plus en plus au niveau de l'éducation, au niveau comme les profs sont justement recrutés, on le voit au niveau de l'hôpital. Il est plus facile aujourd'hui de faire soigner son chien, hein, que de faire soigner son père, le malade. Hein. Il faut avoir un médecin. Si on n'est pas... Alors on nous dit qu'il faut aller sur Doctissimo, mais même si on va sur je ne sais pas quoi, même si on va, si on maîtrise l'iPhone, on n'est pas sûr d'avoir un rendez-vous parce qu'ils ont leur patientèle, oui, et ils disent qu'ils ne prennent pas de nouveau, qu'enfin les choses sont compliquées. Donc dans les objectifs, c'est la capture du régulateur par l'absence publique, c'est le démantèlement de l'État-providence, hein. La providence, c'est finalement que pour les riches, puisqu'ils servent de l'État. L'indépendance de la Banque Centrale Européenne, et là j'aurai l'occasion d'en reparler, de la toute l'importance de la Banque Centrale Européenne, et particulièrement dans la dette de l'État, pour savoir, j'ai eu une conversation un jour avec un politique, et je voudrais bien, disons, recadrer les choses au niveau de la dette de l'État. Faut-il vraiment la rembourser ? Donc tu dis que la dette, c'est un mirage, en fait. La dette, c'est un mirage. La dette existe, mais elle a déjà été remboursée. Voilà. La façon dont ils l'utilisent, en fait, c'est pour nous faire avancer. Si on la fait re-rembourser à nouveau au peuple, il paiera sa dette deux fois. Voilà. Et je expliquerai pourquoi. Et le dernier objectif, c'est la privatisation des profits. Privatisation des profits et mutualisation des pertes par l'État. Mmh. Voilà. Alors donc, tout ça, c'est les objectifs du libéralisme, et donc effectivement, par rapport à ça, ils sont capables de nous réformer tout ce qu'on a, tout ce qui a été acquis à un moment, ben finalement, ça a marché jusque dans les années 80, et puis depuis les années 80, à chaque fois qu'on essaye de faire un mouvement pour dire non à une réforme, ces réformes avancent quand même comme un bulldozer et cassent tous nos acquis sociaux. Par exemple, là, on s'est battu pour obtenir que la retraite reste à 62 ans, alors que en 80, elle était passée à 60 ans. Voilà, on valide, disons, on arrive à valider les choses pour lesquelles on a manifesté quelques années auparavant. Alors, Amalia, dans un deuxième extrait, nous parle des réformes et des mensonges. Le mensonge est organisé à tous les étages. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ben, pour en revenir à la réforme des retraites, on a bien vu qu'on nous faisait croire d'abord... D'abord, cette réforme, elle a eu lieu en deux temps, tu te souviens. Hein, il y a eu un premier temps avant le Covid où on nous expliquait que il fallait absolument, pour des raisons budgétaires, il fallait réformer. Bon, bref. Ensuite, deuxième partie, c'était donc cette année... on nous a expliqué que aussi les réformes budgétaires, ça a été démenti par le corps.
Hein. Ça a été démenti aussi par plusieurs économistes hein, qui ont travaillé sur le sujet. Et notamment Michaël Zemmour, hein, voilà. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu comme mensonge encore? Il y a eu Les 1200 euros, par exemple. Les 1200 euros, par exemple. Donc il y a des mensonges en permanence. C'est-à-dire que ça devient difficile de lutter face à quelqu'un qui te regarde dans les yeux en souriant et qui te dit le contraire de ce qu'il est en train de faire, en fait. Oui. Mais en fait, depuis Sarkozy, en fait, on patauge dans une espèce de marigot d'émotions négatives. Je suis désolée, mais il y a la colère, il y a la déception, il y a la peur des fois hein, pour les gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, etc. Il y a des choses. On est dans des émotions comme ça. Et moi, je pense que là, maintenant, il faut prendre conscience de ça et il faut essayer d'aller quand même vers des victoires. Il nous faut des victoires. Alors voilà, c'est là que justement on voulait quand même aussi en venir, c'est-à-dire que il nous faut des victoires parce que sinon, ce qui est désastreux, c'est que c'est l'extrême droite qui récupère la donne. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une extrême droite qui dit, vous avez vu l'action légale, les syndicats, ou quand vous vous mettez en colère, ça ne sert absolument à rien. Par contre, nous, quand on va arriver au pouvoir, on va tout changer. Hein, c'est pas ça qu'ils disent, qu'ils vont tout changer? Ben, ils sont déjà pratiquement au pouvoir, hein, si on analyse bien. Oui, ils sont déjà pratiquement au pouvoir. Parce que entre Macron et le Rassemblement national, c'est le Rassemblement national qui permet justement aux lois de Macron d'avancer. Oui, il faut savoir. Tenez-vous bien, qu'est-ce que vote le Front National à l'Assemblée nationale? Voilà, alors qu'est-ce qu'il vote, c'est-à-dire qui permet aux lois de Macron de passer? La gratuité des premiers mètres cubes d'eau, la gratuité des cantines scolaires, donc il est contre, hein, il vote contre. Rassemblement national, pardon. Il vote contre. Hein. La revalorisation des salaires des fonctionnaires 10%, le Rassemblement national a voté contre. La revalorisation des retraites au niveau du SMIC, le Rassemblement national. Instaurer la retraite à 60 ans, le Rassemblement national vote contre. L'augmentation des moyens alloués aux hôpitaux, il vote contre. La revalorisation des bourses étudiantes au niveau de l'inflation, le Rassemblement national a voté contre. Voilà. Augmenter le SMIC à 1600 euros, ils sont contre. Voilà. Une garantie d'autonomie à 1063 pour les étudiants et les étudiantes, ils sont contre. Indexer les salaires à l'inflation, ils sont contre. Augmenter les budgets de l'université, ils sont contre. Pas une retraite complète en dessous du SMIC, ils sont contre. Le rétablissement d'impôts sur la fortune, ils ont voté contre. Revaloriser les salaires des fonctionnaires des 10%, ils sont contre. Le gel des prix et des loyers, ils sont contre. Augmenter les minima sociaux au-dessus de 1100 euros, ils sont contre. Le blocage des prix de première nécessité, ils ont voté contre. Créer une allocation autonomie jeunes et formation, ils sont contre. L'instauration d'un impôt sur la fortune climatique, ils sont contre. Baisser les loyers, ils sont contre. La taxation des yachts et des jets privés, ils sont contre. Rétablir l'impôt sur la fortune, ils sont contre. Une taxe sur les profits. Sur les super profits, ils sont contre. Voilà. Donc comme ça, on pourrait pucher pendant un moment. De toute façon, le Rassemblement national nous explique qu'ils sont pour le peuple, mais en fait, ils sont contre tout ce qui pourrait avantager le peuple. Tout ce qui pourrait faire le bonheur, disons, ou qui pourrait faciliter la vie et le quotidien des pauvres, en fait, ils sont contre. Voilà. Et les mensonges répétés, parce que quand même, on a des mensonges d'État, puisque en même temps de Macron, aurait pu se comprendre comme une pensée complexe, puisqu'il nous expliquait que c'était une pensée complexe qu'il avait. Hein. Donc quand il disait, je suis pour le vélo, mais le vélo, ça veut dire ça, et en même temps, ça veut dire autre chose, etc. On peut le comprendre. Mais quand il est en train de faire la même chose par rapport aux migrants, en disant, il faut absolument beaucoup plus d'humanité, etc., mais pas un seul migrant ne rentre en France de Lampedusa, on voit que c'est le mensonge. Le mensonge à tous les étages. Et le mec, il est capable de dire, mais quand même, il faudrait pas que je sois. Il faut attaquer les menteurs. Les menteurs, c'est les autres. Eh oui, c'est tellement plus simple. Voilà, c'est très simple. C'est toujours difficile de reconnaître ses défauts. Voilà. Alors, on a un troisième volet de l'interview de Amalia qui va nous parler des modes d'action et qui est effectivement complètement désolé de voir que nos modes d'action ne fonctionnent pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à présent, en fait, les seuls modes d'action qu'on a, c'est grève et manifestation.
Bon, manifestation, c'est pas une action, c'est un moyen d'expression. D'accord? Donc il reste la grève. Et c'est tout. Et depuis 40 ans, on fait ça, et depuis 40 ans, on perd. Donc, la question, c'est que si on veut se redresser et aller vers quelque chose qui nous rende plus puissants et qui nous donne l'énergie de gagner, je pense qu'il faut élargir le panel d'action qu'on peut mener. Alors, j'écoutais récemment une interview de Geoffroy de Laganerie qui a écrit un livre qui s'appelle « Sortir de l'impuissance politique » que je vous recommande. Et donc, lui, il propose, mais bon, c'est vraiment une liste qui n'est pas exhaustive et qui peut être... Enfin, il faut vraiment appeler tout le monde à faire preuve de créativité. Donc, lui, il dit que un des moyens d'agir, c'est l'action directe. L'action directe, c'est par exemple faire des collectes de nourriture sur place si le besoin se fait sentir. Ça peut être quoi? Ça peut être Cédric Héroux. Hein. Cédric Héroux, par exemple, lui, il a rien demandé à personne. Il a accueilli chez lui des gens. D'ailleurs, il a été en procès pour ça. Heureusement, il a gagné. Il a gagné pour raison de fraternité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la fraternité au niveau légal, liberté, égalité, fraternité, oui, lui a permis de gagner le procès. Oui, ça c'est beau. Ouais. Et vous voyez, ce genre d'actions qui font que, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous gagnez, puisque par votre action, vous êtes déjà en train de gagner du terrain. Donc, quoi qu'il arrive, même si on vous empêche d'agir, tout ce que vous avez fait, vous l'avez déjà gagné. Et on sort de ce sentiment d'impuissance. Il y a aussi le fait d'aller en justice, hein, de mettre des gens en justice. Il y a le fait de... lui, il propose, il dit que ça serait important que des gens de gauche s'emparent des institutions et passent les concours de l'ENA et de tous les concours qui permettent d'entrer dans les institutions. Voilà, donc il y a tout un... Le vote... Il y a plein de gens qui disent « Ah, je veux plus voter », etc. Mais le vote, c'est un moyen quand même de prendre le pouvoir. Voilà, il y a tout un panel de choses qui pourraient nous permettre de varier un peu les modes d'action, de les enrichir et peut-être d'être plus efficaces et de sortir de ce sentiment d'impuissance qui nous détruit. Hein. Alors c'est vrai que, par exemple, le ministre Dupond-Moretti va se retrouver devant les juges, hein, parce qu'il a utilisé le système, hein, comme le font les macronistes depuis le départ, parce que quand même, il faut rappeler que les macronistes se retrouvent avec 18 procès perdus, hein, quand même, de gens qui se sont retrouvés en accusation, quand même, c'est pas rien. Hein. Donc voilà, mais d'autre part, on a une attaque sur la Ligue des droits de l'homme, on a une attaque sur les soulèvements de la terre qui sont là en train d'essayer de dire que quand même, on peut pas faire n'importe quoi comme il s'est passé avec les bassines. Mais c'est quand même n'importe quoi, les bassines. Renseignez-vous, hein. C'est pas du tout ce que nous disent les médias, parce que c'est ça, quoi. Aussi, sans arrêt, les médias sont mensongers. Les médias sont mensongers. Ils nous expliquent des choses qui sont pas vraies. Sur les bassines, par exemple, ils nous ont expliqué des choses qui étaient pas vraies. Les médias sont souvent, sont le plus souvent au service des oligarques, hein, puis ils en sont les patrons. Hein. Ouais. Donc les gars qui sont... journalistes exercent leur métier, mais sous la baguette quand même du patron. Hein. Oui, ou alors c'est des journalistes d'État, mais ils n'ont rien à revoir avec l'ORTF, tu sais. Oui, parce qu'il n'y a pas la dépendance. Hein, voilà, il n'y a absolument aucune indépendance. Quand on écoute France Info, par exemple, qui est une chaîne publique, hein, sur la télé, on se retrouve avec un mec qui s'appelle Deli. Il a le bon mot, quoi. Deli, D-E-L-Y. Mais en fait, je pense que ça pourrait s'écrire I-T, quoi. Parce que le mec, Renaud Deli, c'est la voix de son maître, c'est la voix de Macron. Et le mec, il te balance les mensonges de Macron, mais alors comme si c'était une vérité. Les mecs, ils jouent leur carrière. Voilà. Et donc, t'avais un mec qui s'appelait Fauvel avant, là, qui interviewait les gens. Il se retrouve maintenant directeur du truc politique à France Inter, et parce qu'il a bien servi son maître, et en fait c'était un mec qui, quand il recevait quelqu'un de gauche, il lui posait la question « Pourquoi vous dites des trucs absurdes comme ça ?» C'est ça, quasiment, la façon de poser les questions. Alors t'avais le mec en face qui disait « Mais attendez, qu'est-ce que je dis d'absurde ?» Et le gars lui disait, lui déroulait tout ce que dit la Macronie, en lui disant « Vous voyez, vous avez tort !»
C'est comme ça qu'ils interviewaient des gens, quoi. Et ce mec-là, il se retrouve à la direction politique de France Inter. Et oui, enfin, c'est vachement mal. C'était un bon élève, finalement. Et il y a une fille qui s'appelait Charline Van Honecker, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui faisait des chroniques sur France Inter absolument extraordinaires, très, très rigolotes, avec beaucoup d'humour, qui remettait en question quand il y avait des gros mensonges. Et ben, elle s'est fait jeter. Voilà, elle s'est fait jeter depuis qu'il est arrivé, le pauvre, tu vois, comme par hasard. Bien sûr. Voilà, c'est complètement fou. Et donc, alors, c'est vrai que comment arriver à lutter contre ce rouleau compresseur qu'on a en face, parce qu'on a un rouleau compresseur, complètement ce que tu disais tout à l'heure, avec des valeurs qui sont établies pour eux, comment ils vont casser le système, comment ils vont l'utiliser à leur profit. Il faut une véritable révolution, au sens noble, mais belle révolution. En tout cas, on a vu... Penser autrement. Hein. On a vu que le mode d'action syndicale plan-plan ne marchait pas. La prochaine fois, il faut absolument qu'on ait une grève générale pour de vrai, et pas un truc perlé. Comment ça ne marchait pas. Donc je pense que là, les gens, petit à petit, quand même, soit on leur propose ça, soit on leur propose plus rien, parce qu'ils ne vont pas venir maintenant. Si nombreux, comme nous étions lors ces manifestations, il y a très très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Bien sûr. Donc il est vraiment injuste. Que cette loi soit passée. Oui, voilà, cette loi est passée et c'est complètement injuste. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que la Ve République ne fonctionne plus. Il n'y a plus de contre-pouvoir alors que les gens sont contre. Rappelons-nous quand même que 90% des gens étaient contre cette réforme des retraites. Et elle est passée avec un 49-3. Si ce n'est pas un déni de démocratie, donc la démocratie telle qu'elle est vue par la Ve République ne fonctionne pas. Il faut réécrire une constitution. Je crois que Mélenchon a raison. Au départ, je me disais pourquoi il nous dit ça, mais oui, il a raison. Il y a des failles, puisque la preuve, il y a pu y avoir des interprétations perverses, mais interprétations quand même de la constitution. Voilà. Par exemple, ils ne renouvellent pas l'agrément pour anticorps, tu vois, ils attaquent la LDH, etc. Les violences policières qu'on a vues, c'est quand même complètement fou. On a eu des violences policières dans les manifs, on a eu des violences policières sur les gilets jaunes, on a eu des violences policières à Sainte-Soline, on a eu des violences policières avec des gens qui sont morts dans les quartiers. Il faut quand même que ça s'arrête, quoi. Et quand on parle de violences policières, donc maintenant le terme est accepté, parce qu'ils ont mis un certain temps à accepter que le terme puisse être utilisé. Dans un premier temps, ils te regardaient avec des grands yeux en disant « violence policière, mais vous vous rendez compte quel mot vous utilisez ?» Le mec, ils avaient plus d'yeux, etc. Enfin bon, c'est complètement fou, quoi. Voilà, alors, n'empêche que vous entendez sûrement dans le ton que l'on peut employer, soit d'humour, soit de grande pêche, qu'on n'a pas envie de se laisser. On n'a pas envie de mourir. On n'a pas envie de se laisser faire. On a envie d'un monde demain pour nos enfants. Donc, on attend et on sait que ça va se passer. Il va y avoir à nouveau des gilets jaunes ou une autre forme de revendication comme ça. On espère que les syndicats vont quand même se poser un petit peu des questions sur le mode opératoire, parce que la société a changé. Je ne suis pas du tout en train de dire que les syndicats, ce n'est pas quelque chose de bien. Pour moi, les syndicats, c'est quelque chose de central. C'est indispensable. Indispensable et quelque chose de super. Mais il se trouve que là, on a vu que le mode d'action syndical ne fonctionnait pas. Disons, oui, il y a des remises en question à faire. Hein. Voilà. Lorsque depuis 30 ans, les choses ne fonctionnent pas, il faut changer de méthode. Grève générale, sûrement. Ne pas se laisser faire, ne pas aller jusqu'au bout, arriver à être vraiment de gauche pour des vraies raisons. Pourquoi on est de gauche? Tout simplement parce qu'on veut que ce soit l'intérêt général qui prime sur l'intérêt particulier. Hein, on veut qu'il y ait des valeurs, disons, dans une société de respect et puis de bonheur. Hein. Finalement, un politique, c'est un marchand de bonheur. Hein. Il doit offrir du bonheur aux gens. En tout cas, que ce soit possible. Que les gens ne soient pas en train de faire la queue pour pouvoir bouffer. Voilà. Quoi, parce que là, il y a quand même un gros malheur. Un étudiant qui ne peut pas se payer son repas, c'est quand même pas tout à fait normal. Voilà. À bientôt. À bientôt. Toujours aussi péchu. À bientôt. Au revoir.